si l'instant. Poco, poco basta l'instant. Partir. Partir, partir. C'est impossible à présent. Que dit-il? Impossible que je m'en aille. Je reste alors. Je passe ici la nuit. Où sur la terre, où sur la paille. Sans gêne, sans façon. Et pas de bourrée. Vous l'avez bien prévu. Nous sommes entourés. Adieu. Par une troupe nombreuse et fidèle. Ah, je vous défendrai. Venez. Vous sont en mal. Elle dit vrai. Allez battre pour elle. Et surtout avec eux. Je suis fou, c'est égal. Tu m'entends. C'est bien, c'est égal. Je les ai vus, ce sont, dit-on, 200 gendarmes par l'ordre du ministre envoyés contre nous. Par mon oncle, par mon oncle. Le plus officier qui les guide est un jeune chef intrépide dans ses bastions d'Aveyron. Mon ami, mon ami. Taisez-vous, dans un jeu de mots. De cette montagne, par quel moyen sortir avec notre or? Un bon ange vous accompagne, Katharina, sur vous veillez encore. Elle avait tout prévu d'avance. Silence, silence, de vous sauver, voici le seul moyen. Ravissez cette grille, sortez par l'ermitage, et tous les yeux baissés, d'un pas tranquille et lent, à travers les soldats, passez dévotement, eux-mêmes s'inclinant, vous livreront bassin, ainsi qu'à vos trésors, désormais à couvert, sous la chasse de Saint-Hubert. Par la route souterraine de Rio, au plus tôt reprenons le chemin. Que sera-t-il permis de vous offrir la main? Non, ne prenez pas cette peine. J'y tiens. Que mon seigneur ne se dérange pas. Et pour peu qu'à ces jours, il tienne, qu'il se garde du moins d'accompagner le pas. Quand on s'y prend, ainsi on n'a plus rien à dire. Vous le voulez, je reste là. Je n'irai pas plus loin. Désolé, Seigneur, de ne pouvoir vous conduire. Garçon, garçon.